Bonjour tout le monde, ici Yakipon pour Ivasan Studio, et puis on est de retour pour faire un peu de Dofus. On en avait envie, ça faisait longtemps. Toujours entouré des mêmes, hein, et pas les mêmes. Voilà, donc tu te calmes. Tu n'as rien. Donc on est avec Louis Magiro et Jaggy Vazund. Bonsoir. Et on dit pas Ivasund. Oui, ben tu diras ça à tous ceux qui te font des voix. Hein. Mais bon. La speakerine, enfin le speakerine, oui, a été enregistré une seule fois. Je l'enregistrerai pas à chaque fois. Il dit tout le temps la même chose. Ouais, mais Ivasund. Ça va. Bon, on dit bref. Que c'est bien speakerine. Oui, je ça crois, se dit, oui. Je me semble bien. Le programme de ce soir. Ben, on va profiter de l'événement de l'été, qui est l'île de Vulcania. Voilà. Ok, est-ce que tu peux monter ton widget Discord, s'il te plaît, qui ne s'affiche pas sur la map? Oui, je peux. Voilà. Pépite. Ok. De rien. Donc Vulcania, c'est une zone estivale, c'est ça? C'est oui. Ça, qui est ouverte que en juillet et en août. Avec des volcans. Et, ah bon et un PNJ de dingue. Mais avant d'aller sur l'île, il faut se rendre en moins un 2 pour avoir un cocktail gratuit. Oh, je veux bien le cocktail. Ah, c'est un cocktail de bienvenue. Oui, c'est ça. C'est comme la salade, mais en cocktail. Ah, ceux qui ont la référence, ben bravo à vous. Tiens, il y a de la sauge par terre, je peux pas la récupérer. Oh non! T'as dit moins un, moins deux. Moins un, deux. Ah, moins un, deux. Oui, voyager oui. Jusqu'à cette position. Oh, ça fait longtemps. C'est le zap du village d'Amaklan. Village d'Amaklan, aussi. Moins un, c'est là. C'est au port de Madrastan. Tu peux te... Non, c'est au village, faire on vient de dire. Faire la téléportation de mariage. Ça commence. Ah oui, c'est vrai, mais je suis à côté, de toute façon. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais ça commence, quoi. Tu viens de dire à Guillaume, oui, c'est le Zap village d'Amagna. Et Thomas, c'est au port de Madrastan. Je l'ai dit avant. Si, t'as dit ça. Je l'ai dit avant. Non. Et de toute façon, on n'a pas la preuve en replay. Si. Non, pas maintenant. Si. Du moins. Je demande une VAR. Ah ça. Une vidéo arbitrage. Est-ce que vous entendez la PlayStation derrière? Non. Tant mieux. On est en c'est moins 1, 2 je... Oui. À moi. Allez, le cocktail, il est où? La porte de gauche. On parle à Annie Smith. Demander des informations sur Vulcania. Waouh. On peut pas se renseigner à l'agence touriste. Ah bah non, on s'en fout, non? Ouais. Maintenant, on va au zap du port de Madrastam. J'en connais un qui est content. Mais bordel là. Alors, le port de... Et on va en haut à droite. Amakna, port... En haut à droite. Vers le petit bateau. Et on parle à Janoé. Putain, comment oui. S'écrit cocktail? Janoé. C'est écrit comme ça? Cocktail, non, ça s'écrit pas comme ça. C'est juste que là, c'est coque parce que... Oh, c'est Betty Boob. J'avais oublié. C'est cocktail parce qu'on va faire des coquilles, tu vois. Oh, c'est ça. Ouais, ça faisait longtemps. Hein. Oh là là. Eh, il y a un papier, là. Est-ce que tout le monde est sur l'île, là? Il y a plein de chartes. Maintenant, oui. Donc on va parler à Betty en Boob. Moins 44-44. Mais pourquoi tu parles pas à Betty Boob avant? Bon, on va finir la quête cocktail gratuit. Ah, bon. Donc on va en, pardon. Moins 44-44, c'est sur la droite. Ah oui, le... à la taverne.
C'était, oui. C'était pas cette musique avant. Je suis pas sûr. C'est pas par là. Je crois qu'il faut parler. Parler à. Ah oui, il faut parler à la vieille. Non. Ouais. Frauder. Tu peux frauder, Jake. C'est tellement nul ici que. Ça fait tellement nul. Non, mais je veux dire, l'organisation est telle. Hein. Est tellement allez en. Ah, c'est pas là. Adina Tapio. Allez en moins 46-44 et vous oui. Parlez au requin. Ah, au requin. LATP Black Job. Black Boge. Black Boge. Et on fait quoi? On fraude? Oui, oui. Vous fraudez, oui. Donner du kama, frauder. Salaud. J'ai fraudé quand même moins que rien. Bon, on aura une amende. Juju. Elle donne un cocktail de juju de fruits. Comme salade de fruits, joli, joli, joli. Ouais. Elle est dégueulasse. De quoi, la salade de fruits? Ouais. C'est une cata. Oui, carrément, oui. Elle fait des choses des pas ordres. Très nettes. Et j'ai voulu bien respecter. Quoi? Et là, on va marcher partout, c'est ça? Donc on retourne à la map de départ. Pourquoi j'ai un point vert, là, en moins 40? Pour refrauder? Oui, c'est tu peux refrauder. C'est le monde de Aline, non? Ouais, mais il dit Sankama maintenant. C'est un salaud. La vie est chère. Quelle inflation. Quelle intimité aussi. Il y a une maison dans une maison? Oui. C'est un peu comme la maison grotte, mais en mieux. Thomas Coq. Oh, sa cat, elle est trop chiante à lui, non? Tout le monde a parlé à Betty Boob? Oui, moi je l'ai fait en arrivant. Accepté? Oui. Normalement, tout le monde a lancé la quête L'Aventure de la Terre. Et oui. On parle pas à l'assistant du docteur Gao? Gao. Il faut cueillir des coquillages. Uh-huh. Ah bon? Non, je sais pas, c'est le monsieur Thomas Coq qui dit faut cueillir des coquillages. Oh non, mais lui il est chiant. Archipel du Vulcania, j'ai qu'une quête moi. C'est l'aventure de la Terre. Pareil. Ok. Oui, oui, c'est bon. Bah. Est-ce qu'on a tous celle-là? Oui. Est-ce que. Guillaume, là? Ah, je regarde. Oui. Ok. Nous attendons tes instructions, lui. Donc, on va normalement en moins 50-44. Oui. Pour voir mathématiques. C'est ça. On parle à mathématiques. L'interroger à propos de l'accès au cratère Minus. Et on en apprendra davantage. Il n'y a pas une énigme pour rentrer dans le donjon ou quelque chose comme ça? Et ben, il te l'a dit. Si. Il te l'a dit, il y a les mains gauche, droite et pied aussi. Il faut récupérer des morceaux de totem. Ouais. Alors. On descend d'une map. On va à droite. C'est quoi ça? À propos des châteaux de sable. Une poubelle. Non. On parle au requin. Et on fraude. On va à un moment donné, ça va nous poser problème, ça, non? Mais non. Et on clique sur le drapeau jaune. Le drapeau jaune de Koh-Lanta. Yeah. C'est complètement ça en fait. Et on parle pas à la moutarde? Alors, ça c'est des quêtes de combat entre les deux villages. Ah oui, c'est vrai, soit les jaunes, soit les rouges. C'est ça. J'avais oublié ça. Putain. On fera plus tard. C'est drôle. Ouais, on le fera plus tard. Donc on ah putain, mais. Oh quand vous êtes au requin là, quand vous revenez sur la plage de bronze, regardez le stand hamburger, ça vous dit rien? Le stand
tant d'hamburgers. Attends, il manque Guillaume, peut-être qu'il va le comprendre. Là, je cherche. Alors, les burgers, il faut que tu reparles. Oui. C'est le burger quiz. Burger quiz. Il y a plein de miam sur le bateau. Ouais. Ah. Temps fort. Temps fort de burger quiz. D'accord, si tu veux. Bon, et maintenant. Alors, maintenant. Alors, c'est quoi le plus simple? Eh ben, aller sur la plage. La planche. Oui, on peut aller là. Allez. En moins 54-44. Voyager. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je trouve ça marrant comme technique. Ah oui, il y a les diamants à ramasser et tout. Oh là là. Ah, j'ai pas envie. Ah, les croquis. Ah là là, c'est toi qui voulais faire. Ouais, ouais, mais moi, si je veux venir ici, c'est que pour une seule personne, et tu le sais très bien. Hein. Ensuite, on va en moins 55-42. Attends, t'as dit moins 54-44? Moins 55-42. Non, avant. Ah oui, avant. Moins 54-44. Moins 54-44, ok. Donc, c'était pour valider le jalon, en fait. C'est quoi un jalon? Mais peut-être qu'il avait pas, lui, il a tellement. Ouais, peut-être qu'il a pas mis, là. Le jalon. C'est. Comment ça s'appelle hein? Un point de repère. Point de repère sur ta minimap. D'accord. Pour la quête de l'aventure de la Terre. Ok, et là t'as dit moins 52. Moins 55-42. Bon, bah on les fait tous en fait. Bah attends, non, parce qu'en fait en moins 55-42 t'as un arbre à cliquer. On fait deux quêtes en même temps. Ouais. Ok, Guillaume est là. Je te laisse cliquer sur l'arbre en face de moi. Clique sur l'arbre. Bravo. Ah, t'es où? Je sais pas. Mais j'y suis pas encore. Mais t'étais où? Voilà. Oui. J'étais au cratère Pila. Moins 50, 42. Mais pourquoi t'étais en moins 50, 42? Ah, t'as fait un autre jalon. D'accord. C'était le plus proche. Bah oui, mais là on va faire une boucle parce qu'on a une autre quête en même temps. D'accord. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va en moins 53-40. Moins 53-40, très bien. On est parti. T'as pas oublié la petite île? En bas à gauche, si. Ouais. Tu l'as oublié. Ah putain, j'en étais sûr. Pas grave. L'îlot Samodas en plus. Tu me fais honte. Oh la gomme. Une seconde, ça. Faut cliquer sur quoi? En moins 53-40? Sur le fond. Sur ça. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas non plus, c'est un bâton. Ensuite, on va juste. À côté en moins 55-39. C'était là, pas on a entendu. On a entendu le bruit là. Les gens qui parlent. Oui, c'est. C'est le jeu du coup là. Non, ça va, c'est juste on a entendu le dialogue. Mais... C'est pas dérangeant en plus, ta musique elle est pas. Enfin. Elle est pas énervée, elle est super douce donc. Non, c'est juste le dialogue. Ouais, c'est pas un jeu énervé, ouais. Après. T'as dit moins 54-39, hein. Moins 55-39. Oh putain. Ou 55, c'est là-haut. C'est à côté. Non, c'est il faut faire le tour par le bas. Guillaume, moi aussi je me suis planté ma plan. Ensuite, il faut trouver le requin. Je crois qu'il est en moins 54-38.
Ah, c'est sur la plage rose, hein. Il est où, Denis Brognard? Oui, il est là. Donc, moins 54-38 ensuite. Attends, attends, là, moi, je suis en... En moins 55-39, là. J'attends Guillaume, en fait. Parce que je l'ai pas vu passer sur la map. C'est bon, il est là. Ensuite. En haut à droite. Ok. En haut à droite. On parle au requin. Oui. À droite. Oui. Et on clique sur le drapeau. Le drapeau rouge. Franck Lingon. À gauche. C'est les Korogs. On reparle au requin. Ils ont cramé Nemo. Hein. Ouais. Et on va en moins 52-37. À l'autre cratère. Le cratère Ner. Oui. Celui-là même, le cratère Ner. J'espère que cratère. Tu te souviens qu'on peut faire toujours clic droit à voyager. Tu parles pour toi? Oui. Okay. Toi aussi, j'espère que tu peux faire ça. Moi, je l'ai pas oublié. Ensuite. On va voir Carla? Non, Carla pas encore, pas encore. Pas encore. Ensuite, on va en moins 49-40. Un autre cratère. C'est un oiseau? Ok. Je sais pas, il y a un PNJ dans son jeu qui a dit I'm a bird! What is this game? C'est Earthshade? C'est ça? Allô? Earthshade? C'est un jeu où quasiment tous les PNJ sont des animaux en fait, et c'est un grand jeu d'exploration apparemment. C'est cool. Il avait commencé sur PC et là il a dit hey, je vais le faire sur PS4! Je suis ready pour la prochaine position. Parler à Géo Carus. Oui. Entrer dans le cratère. Pourquoi faut entrer dans le cratère? Et vous cliquez sur le diamant. Oh, le cristal. Le cristal qui est juste en train. Je m'en souviens de ces grottes. Et ouais, on ressort. J'ai plus envie. Ensuite, on va juste à droite. Oh, putain, le mec, il a un griffon. Ouais, il est joli, son griffon, hein, putain. On entre dans la tente. Pauvre Daenerys. Et on clique sur le sac orange d'orange. Le sac orange, le sac d'orange. Orange d'orange. Les imbéciles. Le débile. Le débile. Ensuite, on va en moins 51-40. D'accord, moins 51-40. Non, t'inquiète pas, on la voit pas encore. Fuck. Non, c'est où, moins 51? Fuck. Fuck. Ah, c'est... Je veux la voir. Ça sera un temps fort, j'en ai rien à foutre. C'est mon personnage préféré. Et on ramasse le caillou. Non, il y a un caillou. On ramasse le caillou. Mais je sais pas, il y avait un caillou. En moins 50, 40. Je me suis peut-être trompé, c'est ça? Moins 51, je crois. Je sais pas. Moins 51, 40. Hein. Ah merde. Pardon. On a fait un succès d'exploration, on est vraiment les meilleurs. C'est quoi ce Nyan 4 avec le dinosaure? J'ai ma jauge d'XP qui est... Ah mais j'ai mis 90% sur un... Une poubelle. Non, je me... Eh ben je te ferai dire qu'il n'y a absolument rien dedans. Ensuite on va en moins 50-42. Hello. En moins 50... Je me suis perdu. L'autre volcan. Ouais, merci. Aïe, aïe, aïe.
Vous êtes niveau combien? 100... 99. Ah ouais, t'as vu, ils nous ont rattrapés, je suis deg. Ces salauds, ils jouent sans nous et tout. Ah bon, Oui, c'est vrai qu'ils vont monter. Ah, c'est une blague. Et monter on tourne en moins 50-44, voire mathématiques. Oui. Monter sur des pioux et sur des crack-boules. Mais c'est une vanne, t'inquiète. Pourquoi des crack-boules? Que je fous sur les crack-boules? Et quand tu mines. Ah oui, je suis con. J'avais oublié ce petit détail. Ouais, mathématiques. Donner les 6 morceaux. C'est mathématique. Et maintenant, faut aller voir Géocortec. Oh, c'est bientôt. Avant, on va aller finir. On va aller sur le niveau. Ah oui, c'est vrai. Donc, faut aller en moins 55-44, un truc du genre. Oh, oui. Ouais. Tu as validé mathématiques? Très bien. Et mathématiques. On est au taquet. Et ça, c'est non. Ça, c'est un gros non. Si tu arrêtes de suite, en fait. Tu te calmes. Ouais, on a fini. À votre bon cœur. Pourquoi il y a une statue d'Osamodas qui, on dirait, qui dit « Oh non !» et qui a une arme sur la gueule. Tu peux aller parler au requin, oui, au moins. Parle au requin, oui. Et pourquoi il y a un bol? Parce qu'il va falloir mettre du sel dedans, il me semble. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Oui, je vais faire une offrande, je crois. Est-ce qu'on retourne voir Betty Boob ou on va dans le cratère? On peut retourner voir Betty Boob. Allez. Mais on attend Guillaume. Mais c'est aller où là? Le bar. Faut reprendre le requin. Le requin. C'est quoi le. Le. Putain, j'ai encore oublié le nom, quoi. Le jalon. Moins 48-44? Oui, mais... Un point de repère? Ouais, merci. Pourquoi moi j'ai un point de repère vert foncé? Ah, mais tu peux le virer, tu fais clic droit, retirer. Mais ouais, mais ça va retirer tous. Retirer tous les repères. Ouais, des fois ça bug, tu peux pas en retirer. Ah oui, c'est bon. Le voyage de l'aventure est interrompu, mais non. Imbécile. Petit boob. Ajouter bip bip me. C'est très drôle. L'inviter à boire un cocktail au bar est plus si affinité. Hey, mais... C'est grave, mais je travaille. Et puis je ne suis pas sûr que mon petit ami apprécie. Au revoir. Texter un rendez-vous urgent et s'en aller. Où est Jake? Faut découvrir la carte du bar Mastodon. On l'a pas fait ça? Quoi? Découvrir la carte Arakuda. Ah non, tu l'as pas fait alors, toi. C'est quelle quête? L'aventure de la Terre. T'avais qu'à écouter, t'avais qu'à écouter. Donc on peut aller au cratère Minus. Oui. En moins 51-40. On y va vite. Elle nous attend. Elle sait qu'on arrive. Et là, elle a été remplacée par... Ah non, elle a pas été remplacée, elle est toujours là. Carla... Tu cherches un autre jeu de mots? Carla... Carla Lalande. Ah, c'est pas mal. Mais quand tu vas voir, ça va être mieux que ça. Genre, tu feras attention à tout ce qui l'entoure et tu vas faire... Carla Jean Granit. C'est la meilleure chose du monde. Vous parlez à Géocortec. Donnez le totem. Oui, je suis niveau 100. J'ai gagné un PA. Waouh. Et oui, on descend dans le cratère, dépêche-toi. Elle est où? Je la vois pas. Oui. Elle est en plein milieu. Oui. Je vais me mettre à côté d'elle et je vais lui faire des bisous. Oui, bisous. Éloigne-toi un peu, parce que le bisou, il est... Ouais, mais il faut que je fasse ça, et que je m'oriente vers là-bas, hop, et là, je lui fais un bisou. Elles sont pas aussi. Oui. Voilà. Carla, oui.
est trop bien. Ah, elle est trop trop bien. 4000, un cœur vénérable sur 4000. Ouais, ça veut dire qu'il y en a, il en a donné beaucoup. Ah, je suis content. Bon, attends. En attendant, je vais changer 2-3 équipements. Je peux changer ma ceinture. Mon collier. Mon collier. Et je peux mettre mes trophées. Je vais enlever robuste, je vais remettre examinateur, je crois. Ah mais non, je vais mettre mon Dofuscawatt, attends, je vais XP, moi, ça va pas la tête. Sachant que j'ai gagné 2 de portée. Ah, je vais pouvoir revendre examinateur, robuste, acrobate et tout ça. Ah, je me sens bien, j'ai 11 PA. Waouh. Ouais. Ça fait un peu beaucoup, je vous l'accorde. Bon. Ça fait peut-être même trop. En vrai, ça va être compliqué, oui. De compter. Donc voilà, Guillaume, je te présente ma super copine carrelage engrais. Ouais, je la trouve pas si exceptionnelle. Mais c'est du carrelage engrais. Merci. Du carrelage. Oui, mais il a pas vu les dalles. Ouais, c'est pour ça, en fait. C'est où qu'il faut aller. On peut pas aller bas, sur les dalles encore, si? En bas? Si, si. Mais c'est ben non, on peut y aller. Je crois. Non, sur aucune des 4? Ouais, ouais. Ben, celle des touristes niveau 1 à 50. Salle des experts 150. Ah, c'est en haut alors? 101 à 150? Bah non, c'est à gauche. T'as lu ce qu'a dit Carrage Engrais? Bah évidemment, je l'ai lu il y a. Disons 4000 de chaque génération. Si vous atteignez 4001, j'enlève le haut peut-être. Il y a 4001 pour les vénérables. Putain, il en manque beaucoup quoi. Merde, j'ai accepté sa quête en fait, de ramener 20 éclats novices. Ouais, bah moi aussi, j'ai pas fait exprès. Allez, on fait quoi? Est-ce que vous voulez rester sur l'île ou... Ah, oui. Merci Tomato151. Merci beaucoup. Pour le follow. Tomato. Oui, c'est une sacrée tomate. Attends, j'ai un nouveau sort, c'est l'aquaculture. Occasion de dédommager à l'ennemi ciblé ainsi qu'à tous les ennemis qui lui sont adjacents. Et ainsi de suite. Quoi? Et ainsi de suite. Oui, c'est le ainsi de suite, moi, qui me dérange. Genre, ça occasionne des dommages aux ennemis ciblés, ainsi qu'à tous les ennemis qui lui sont adjacents, et ainsi de suite. Les crapauds du lanceur comptent comme un ennemi pour cette chaîne, mais ne subissent pas de dommages. Oh, c'est trop bien. Une question... Oui. Ah, voilà, bah, t'as répondu. On peut farmer que ceux de notre niveau? Oui. Voilà. Semblé ER. Ouais, ça fait mal, hein. Parfois. Mais bon, qui on est pour juger? Les gens civilisés. C'est un peu fort de fruits, ça. Attends, le mec, il est sur un muldo, s'il te plaît. Ouais, en plus, c'est vrai. Ouais, on s'en va parce qu'il m'énerve. Bon, on fait quoi, là? Est-ce que vous voulez rester sur l'île? Bah, on n'a plus rien à faire sur l'île? Si, il y a plein de trucs, mais... On peut ramener à Carrelage Engrais 20 éclats novices. On peut faire des croquis si vous voulez. Ouais, on peut faire au moins celle de notre niveau. Après, on verra si on doit repartir ou pas. Attends, parce qu'il faut qu'on soit tous niveau 100, non? Moi, je suis niveau 100, ça y est. Parce que si Jake il prend le. La quête et qu'il est niveau 99. Merde! Bon, bah en fait, on va pas faire Vulcania maintenant, alors le temps qu'il soit 99. T'es à combien de pourcentage 66. Bon, on va faire autre chose en attendant, c'est pas très grave. Ah, remarque, qu'est-ce qu'on avait mis dans notre liste? Attends, je sais pas, lui, il a pu partir. Ah, attendez, parce... je... peut-être parce qu'il a donné. Je regarde notre liste rapidement. Je te le veux point dans mon 2, le point 2, il va te plaire, je pense. Le point 2 va me plaire. Attends, faut que je remonte, en plus ça charge, c'est pénible. Alors, pour le planning, quelques quêtes alignement, je pense pas, parce que sinon il y a,
Il y a Guillaume qui va péter un plomb avec mayonnaise. Suite des quêtes de CD mode donjon de Choudi. Oui, on va faire ça. Ouais, on va faire ça, on va faire Choudini, ouais. Allez, on est parti, on va faire Allez, ça. Donc on remonte. Et on va à la lande de Sidimoth. Ah, on peut pas se mettre dans un havre 5. Je crois qu'il faut être au bateau. Ouais, ou potion de rappel, t'as raison. Ouais. J'en ai plein. Bon. J'avoue. Alors, lande de Sidimoth. C'est quel ça Lande de Sidimoth, route de roulotte. Vous allez aimer ce temps. Je veux dire, le zap. Oui, j'ai bloqué. Je peux avoir la même casquette que toi, Guillaume. Est-ce que je le fais? Vas-y, je... Qui est-ce qui a de l'argent pour acheter quelques ressources? J'ai. Il faut combien? Ouais, il est riche, Thomas. Parce que perso, j'ai 18 358 sur moi. Ah, elle est trop belle, ma casquette. Va à ta banque. Elle est rose et jaune. Il faut acheter quoi? Plein de trucs. Alors, il faut acheter 20 pelles de rapage. Oh putain. Chacun? Non, c'est 5 chacun. 5 chacun. En attendant, on peut papoter. On peut tourner en rond, nourrir vos montures, on peut tirer à l'énergie. Tout le monde a fait son almanax. On peut relancer un follow. On peut faire de la pub pour Hello Asso. Ouais. Voilà. Ça, c'était la pub. Ah ouais, non, mais c'était la pub Hello Asso, ça. C'est voilà. Comme dans la nouvelle vidéo de En fleur de renard. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut? 400 000, ça suffit, non? Alors, déjà, il faut, on a dit 20 pelles de je sais pas quoi. De rapage. Alors, se faire transporter. Hôtel de vente des équipements. J'ai envers. Les idiots. R-A-2-P R-A-P-A-G-E. Doubli. Oh là, sa mère. Oh, c'est vendu que par un. C'est parti pour 20 clics. Voire ah non, plus, 40. Si affinité. Mais pour valider, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux le faire, moi je crois en toi. 7. Ah, oui. Ceux qui peuvent aller à Bonta ou à Brakmar récupérer des pommes de terre. Allez, j'y vais. 17, 18, 19, 1. C'est bon? Apparemment, il a les 20. Ouais, c'est bon. Ensuite, il faut 100 bois d'olive violet. Oh putain. Ah, ça tombe bien, j'en ai à la banque. Ah, on aime ce genre de choses. Il me semble. Il me semble. Oh, des feux d'artifice dans une poubelle. Allez, c'est parti. Mais c'est nul, ça sent. C'était quoi, ouais. Par terre? Bah, une feuille d'artifice. Hein? De piou. Y a pas de patates, putain. Un Brakmar non plus, ils sont tous ramassés. Ouais, il en faut absolument. Les pommes de terre, il en faut 40. Moi, ouais, je vais les acheter, va. Attends. J'ai pas envie de m'emmerder. Pommes. Ah, j'en ai là. Attends, j'en ai. J'en ai. Bois de olive violet.
J'en ai 10. Il en faut combien ? 100 bois d'olive violet. J'en ai 2978. Et ? Ensuite, 120 manganèse. Ça oscille là, donc c'est bien. 120 manganèse. Heureusement qu'on a quelqu'un qui ferme. J'avoue, heureusement qu'on a quelqu'un qui est au chômage et qui se fait chier. Et quoi d'autre ? Faut 20 kawatts. Attends, ça je crois que j'en ai sur moi. 20 kawatts. Ouais, c'est bon, j'en ai 29. Donc les kawatts, je gère. 40 oignons. Bon, ça je crois que j'en ai pas par contre. Attends, je les ai aussi en banque. C'est vrai. Attends, je m'occupe des carottes aussi, comme ça je ferai les échanges à tout le monde. Bon, mais je m'occupe des patates. Il en fallait 40, tu m'as dit, des patates. Oui, oui, oui. Des patates pelées, des patates sautées. Des oignons ? 40 oignons. On est 110. Ouais ? 40 aubergines. Oh putain. Ah oh, merde, je crois que j'ai pas ça. Attends. Non, j'ai pas. Peut-être que j'en ai. Je m'occupe des patates et j'arrive. Quoi d'autre ? 4 bananes agrumes. Une boîte de raviolis. Ouais, j'ai pas ça. Putain, mais. J'ai pas de bananes agrumes. Mais faut les acheter en HDV. J'y suis. Et 4 noix de coco. Il me semble pas en avoir. Oh, c'est cher les bananes. Non, j'ai pas. T'achètes le reste Bah là, je suis sur les bananes agrumes. Je vais prendre les aubergines parce que j'ai peur de pas en avoir sur moi, dans ma banque. On se retrouve zap roulotte. Ouais. Les aubergines, tu m'as dit, il en faut 40. Hein. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut faire un check-up de la liste ? Donc, 20 pelles de rapage. C'est fait. 100 bois d'olive violet. C'est fait. 120 manganèse. C'est fait. 20 kawatts. Oui. 40 oignons. Thomas. Oui, oui. Oui. 40 pommes de terre. Oui. 40 aubergines. Ouais. 4 bananes agrumes. Oui. Et 4 noix de coco. Tu les as les noix de coco ou pas ? Ouais, c'est bon, je les prends. Je suis à l'hôtel de vente des ressources. Alors, on fait marcher le marché du serveur. Moi, deux, coco. Tu fais un échange à Jake ? Ah, va falloir. Hein. Bon, c'est un lot de 10, tant pis. Fuck. Alors, il faut 4 pelles. 5. 5. T'es où, Louis ? À Brakmar, j'arrive. Ok. Que je commence à te faire l'échange de ce que j'ai moi. 10 oignons. 5 kawatts. Non, c'était pas 5 oignons ? 10 oignons. 5 kawatts. Ok. Combien de manganèse ? 30. 30. 20 de. Non, 25 de bois. Voilà, et j'avais quoi d'autre ? J'ai pas le banana grume. C'est bon, je le fais ça. Tu peux accepter. Merci. Fais un échange à Guillaume. Oui, je suis déjà en train. Les carottes, Thomas, il me les a données, non ? Ah bon, oui, j'ai donné. Ah, okay. Oui. Bah alors, il te manque. J'ai déjà les carottes, Thomas. C'est moi. J'entends. C'est Ivasun, Ivasun Stream Dofu. Ça fait un moment quand même. Merci Twitch. Et les pelles. Ouais.
merci bien. Où allons-nous? La quête se lance en moins 21, 14. Alors, moins 21, 14. Ok, c'est là-bas. On voyage. Ça va être très drôle. Oh, Zibadi! Oh, ya ya ya! Elle a pris le petit vélo. Et après, elle a mis là. Les petits vélos, quoi. C'est trop drôle. On va dans la tente. Dans la tente du Gérard Majax. Dans la tente de... Et on parle au professeur. Chourave. Le professeur Chourave. Il a une tête du Ku Klux Klan. Un petit peu, c'est vrai. Accepté ? Oui. Eh bien, si tu n'as pas d'autre choix, oui. Ah, faut aller voir plein de gens. Faut aller voir plein de gens, oui. Faut aller voir Miley Sarkus. Ça, c'est rigolo. Il y a MC Dimot, Magic Hermitus, Georges Clowny et VGSUS. C'est très drôle, en effet. J'aime beaucoup. MC Dimot. MC Dimot, c'est ouais, le plus drôle. MC Dimot, c'est pas mal aussi. C'est vrai qu'on fait ce qui est le plus fort. Donc. Oh putain. 23 jours, hein, sans cette blague. Bah ben non, c'est pas long, on l'a fait mercredi. En ligne. Ah, en ligne, oui. Parce que sinon, on l'a fait mercredi. Aïe, aïe, aïe. Des pyroliennes, quoi. Et les petits vélos. Je me souviens même pas s'ils sont durs, les monstres. Moi, ouais, je les ai jamais fait. Non plus. La 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 la. Allez, et deux. Voilà, mais ils sont super loin. Ils sont un peu loin, ouais. Il est où? Ah, il est dans la bouche. Juste parce que moi, vous m'avez paumé, là. Oui. Elle est où? Eh ben... Faut parler au... Tu as la quête retour aux sources, il faut aller voir les 5 personnes. Bon, je vais changer les points. Oui, il faut changer les points. Parce que déjà, vu que j'en ai validé 2, je sais plus où ils sont. The fuck, c'est quoi ce chemin? Ouais, t'as vu, ça fait un espèce de T. Ouais. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut faire un U, tu sais. Oui, c'est ça. Tu descends un escalier, ouais. Tu reprends vers le haut. Tu t'en sors, Yi? Faut aller là, Miley Circus. Ouais. J'espère qu'il y a une grosse boule à côté d'elle. Sans déconner. Eh
Et la réponse est non. Je suis très déçu. Alors, très très déçu. Merde. Je suis trompé. Ils ont les droits. Quand les graboules font leur animation, on va dire hors combat, t'entends ta 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 ta. Ah ouais? Ouais. Je sais pas s'ils ont les droits. Je pense pas qu'ils aient les droits là-dessus. Ça doit être tellement vieux que ça doit être tombé dans le domaine public. Ça? Je pense aussi. Ah ouais? Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi vieux. Mais vous avez sûrement raison. Cela dit. Tiens, le jour où il y a des musiques d'aujourd'hui qui tomberont dans le domaine public. Ah bon, on sera très vieux. Après, si tu dis musique d'aujourd'hui, ouais, il y a des chances qu'on soit peut-être pas là. Hein. Non, c'est une blague. C'est vraiment une blague. Les percepteurs, tu peux pas choisir leur nom, on est d'accord, c'est général aléatoire. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Il y en a un qui s'appelle Ezra Dobidou Stash Sash. Oui. Ezra Dobidou Stash Sash. Ça vaut pas Dolas ton univers impitoyable. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal celui-là aussi. Allez, je vous attends chez Shurav. Alors. Du coup, Thomas, t'as toute ta panneau chef work, c'est ça? Ouais. Salut, Philippe. Il me semble. Hein. C'est ça. Et j'ai pas changé de bouclier parce que je dois attendre le niveau 107 ou quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. 110. Donc, Eric, toi. Mmh. Non, je regarde où t'en es au niveau des équipements. Non, on va bugger, Thomas, arrête. Elle était nulle à chier. C'est vrai qu'elle était un peu nulle, elle a juste fait... T'as pu acheter le Nomad, Yek? C'est peut-être ça que j'ai oublié d'acheter dans mes équipements. Attends. J'ai vigoureux, cascadeur, remueur, miraculé, observateur. Ouais, mais je vais garder mon Dofuscawatt en fait. Mais enlève le vigoureux si tu veux. Non, non. Parce que le nomade il donne 20 de puissance, donc. Merde. Quand j'utilise un peu d'artifice sur votre créature. Ouais, j'enlèverai le miraculé. J'irai l'acheter plus tard. Ah, le vigoureux. Oui, mais qui est vigoureux? Attends. Vigoureux, il te donne de la puissance. Oui. Et le nomade donne 20 de puissance. Oui, c'est bien aussi de faire des dégâts. Putain, ça y est, on commence à laguer. Thomas! C'est bon, j'ai fini, j'avais plus. Bon, Jake est là, on peut aller dans la tente parler à Shurav. Ok. C'est bon? Oui, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Donc maintenant il faut buter 15 mobs. Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont difficiles? Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. On va faire le petit groupe de 3 là. Allez. Un petit vélo.
Oui, il y a un petit vélo. Bon, comment on joue maintenant qu'on a 11 PA? C'est la question que Comment on joue avec tous ces PA? Ah bah ben, bravo. Et pourquoi moi? Putain. Putain, il t'a mis des coups de pied là, genre pète pète. Ce rire, quoi, il est génial. Ah, mais il fait des dommages maintenant, lui. Qu'est-ce que c'est que ces monstres? Bon, allez, c'est l'heure de compter. 3 et 3, 6 et 4, 10. Ok, mais lui aussi il utilise des feux d'artifice. Ah bah ils font bien mal quand même, hein. Comme même. Ah, oh, ça va, j'ai 600 de boucliers. Oh, mais c'est moi, quoi ces résistances de. Putain de ta mère. Moins un PA pour un deux. Ah, le salaud. Non mais. Mais y'en a partout des pièges, c'est quoi ce bordel? Fais challenge ou pas non? On va dire ce sera avancé, mais non, on va pas faire économe. Et mon tofu! Est-ce que tu t'amuses dans ton jeu vidéo? Est-ce que c'est Randonnée Simulator? Oui. Allez, c'est parti! C'est oh un non, peu l'idée. Pas que... D'accord. Toi! Non, j'ai plus que 7 PA! T'as pris moins 4 PA pendant 2 tours! L'insupportabilité. Aïe aïe aïe. Oh, attends, je suis moins 450. Hein. Avec 7 PA. Boubou. J'aurais dû faire un. Cabre. Bon, bah, je vais pas bouger. Hein. Ça va être l'idée. C'est trop chiant. Ah, faut pas bouger, c'est insupportable. Tant en plus, Guillaume, tu peux voir les pièges si tu fais. Perception. Enfin, du moins autour de toi. Et y'en a plus. Non, mais je pense que c'est. Dès qu'on bouge sur une cave. Ah oui, mais moi je vais plus bouger, c'est fini. J'ai la vision sur. Merde. J'en étais sûr. Non, mais je pense que c'est dès que tu fais un PM dans n'importe quelle direction. Non, 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 parce qu'il se retourne vers la position du piège, donc. Ça veut dire qu'il est vraiment posé. Exactement. Ah, allez, super, quoi. En fait, faut dévier du chemin le plus court, je pense. Ouais, mais je pense qu'ils entourent nos persos, en fait. Ouh, la douleur merde, cuisante. Oh, il était indéplaçable. T'inquiète pas, Flamiche. Flamiched. Ah putain, ouais, je suis indéplaçable. On aime le tacle. Est-ce que si je fais ça. Non, évidemment. Je sais pas si pendant un déplacement le piège t'arrête. D'accord. T'es vraiment un salaud. Hein. Genre, t'es sérieux? T'avais que ça à faire? Mais... Non, t'avais pas que ça à faire. Vas-y, mets-lui les griffes. Vas-y. Il y en a pas un pour attraper l'ange, quoi. Maintenant, il râle, j'hallucine, quoi. Ça va, je t'ai pas fait du moins 500. Oui, bah t'avais qu'à pas. Ah, putain, les idiots.
Aïe, aïe, aïe. On va peut-être pas faire des groupes de 8, hein. Ouais. Hein. On va mourir. En vrai, ça peut être tellement marrant. Il y a un groupe de 6, là, si vous voulez. Allez, on va. Si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, go. Gros couteau. Ah, ils sont bien groupés. J'en connais un qui va aimer. Utilisation multiple. Oh, putain, je veux s'en mettre. Hein. 150 en puissance pour mon toto. Ouais. Ça picote. Là. Et il y a le petit vélo. Je vais chier le châle. Notification Windows. Non. Si. Non. Sort. Qu'est-ce que fait ? Haleine ardente. 200 de puissance. 200 de la puissance. On va commencer comme ça. Ils ont mis des pièges partout. Non. Il s'est déclenché lui-même au pied. Ouais. Ah, non, puisque c'est Jake qui a pris. C'est Jake qui a pris les dégâts. Mais c'était peut-être un piège. Un gros, tu sais. Bizarre. En croix ou je ne sais quoi. Ah. Fa la fa foi. Pipali pali papouette. J'ai quand même pris un sacré musée. La vérité. Mais il attaque pas lui ou quoi? Bah pour l'instant, elle a boosté ses potes. C'est pas grave. Ils vont ramasser. Il
picote quand même, c'est bon ça. Ouais. Et ça te fait un super gâteau au chocolat que tu peux partager en famille. Non. Quoi? Oh. Et ça fait quoi ça déjà? Un super gâteau. Bien joué. Full damage. J'ai pas vu comment par contre, eux, ils font vraiment mal. Hein. Oh la vache. Ouais, 2, 4, 6. En fait, c'est parce qu'elle les a... Elle l'a bien boosté, là. La pyrolienne. Elle fait super mal. Oui, il a 400 de distance. C'était dans quel jeu, la pyrolienne? La tyrolienne? Le juste prix. Tyrolienne? Le tyrolien, en fait, il montait. Et si tu dépassais le prix, bah, il tombait. Voilà. Quoi? C'était un sacré jeu, le tyrolien. Tout le monde était pendu à ce petit homme de bois qui essayait de gravir le mont sans tomber, mais il tombait souvent, le pauvre. Qu'est-ce qu'il raconte? Bien joué, adieu le petit vélo. Et ma baguette. Oh mais c'est pas possible. Moi j'en ai aucun depuis le début. Ouais, t'es bien logé. Toi. Alors... Bip bip bip. Ouais, il est pas déplaçable, Thomas, c'est pour ça. Qui s'est pas téléporté. Mais je vais mourir. Mmh. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, il va mourir. Putain. Hey, il m'a... T'aurais pu me tuer. T'as failli me tuer. Merde, hey, je veux te sauver. Tiens. C'est tout ce que je peux faire. Bon bah écoute, je me tiens. Insupportable. Non. Mais je vais mourir. Alors je vais tenter un truc. Si je... je vais mourir. Tu vas tenter un truc, ça va me tuer. Je le sais. Je fais ça. Et ça. Oh là là! C'est trop fort ton truc! Oui. I'm impressed! C'est l'heure du tourbillon! C'était nul! En même temps, je suis pas haut, mais je peux pas lui taper R parce que ça lui fait pas de dégâts. Genre pipilipi. Oh, merci. Avec plaisir. Ah ben... Il m'aime pas, hein. Quoi? Ah, t'as fait le sacrifice? Oui. Ah, je me suis dit, merde, attends, comment il t'a touché, là? Il est trop fort. Il devine les choses. Mm-hmm. Ah, cool. Comme ça, rien, Guillaume. Sans bouger. Et ça, c'est fort. Ne bouge pas, Jake. Tape. Sinon, tu vas perdre 20 millions de PA encore, mon pauvre.
Parce qu'il t'aime pas depuis tout à l'heure, il aimait que dans ton coin. Ce fut rude. Merci. Donc on en a 9, c'est ça? Il nous en manque 6. Merci de m'avoir sauvé. Donc il faut un autre groupe de 6. Ah bah il y en a là. Guillaume, il a eu une peau de Tivelo, ça on dirait un bouclier. Mmh. Oh, j'ai plus de... De pain. Ah ouais? Enfin, j'ai plus de pain. J'ai plus le pain de bas niveau, maintenant j'ai un pain de haut niveau. Waouh, tu es trop fort. Hein. On y va? Bah, oui. Si tout le monde est prêt, oui. Allez. Ouh, ils sont un peu plus éparpillés. Ah bah tant mieux. Ok. Ouais, moi je vais plutôt viser les Tivelo, ils craignent l'air. Par contre, ouais, les pyroliennes, courage. Mais je crois qu'elles craignent l'eau, donc en fait tu t'es bien placé, ouais. Jacques. Je vais peut-être me mettre plus vers là. Comme ça je mets un bouclier à Jake. Tu fais comme tu veux. Oh, partage. Partage. On peut le faire celui-là. Oui. Si chacun tue au moins un monstre et c'est bon. Tu t'en sors, tu veux de l'aide? Non, c'est bon. Bon. Courage. Bon bah désolé, je peux pas te mettre assis. Waouh. Ça c'était the play. Ouais mais en fait il me tacle. Tu te fais tacler toi? Bah ouais. Ah bon. Ok. Pourquoi pas. Allez. Au moins elle bougera plus. Ouais. C'est bien de l'avoir mis là. Parce qu'en plus, elle peut pas faire son attaque en croix comme ça. Là. Elle peut le faire que sur elle. Le truc pour booster. Oh, il m'a fait un burn sur la tête. Son sort s'appelle Roule ma poule. C'est pas mal. Chaudasse. Yeah. Chaudasse. Ils ont pas honte parfois dans ce qu'ils mettent. Jodassin. Pourquoi Jodassin? Quoi? On pas. A dit chaudasse. On a pas dit Jodassin. Et tué. Bien joué. Ça m'enlevait des PM, pas des PA. Ouais, ça t'a fait des dégâts et des PM, c'est pas facile. Faut pas bouger. Pourquoi je peux pas l'attaquer? Et parce que tu viens de perdre 3 PA. Non, c'était le lag. Ah. Allez, j'ai tué moi aussi.
Allez. Courage. Sérieux? Mais il est passé dessus. Enfin, il était dessus. Peut-être que lui, il les active pas. Je sais pas. Oh là là, ce qui me met. Ah oui, d'accord, il a apporté jusque là-bas. Tout va très bien. T'es mon pauvre, tu dois t'ennuyer avec tes 4 PA. L'expression « sage comme une image » ne doit pas être très utilisée dans Harry Potter. C'est clair. Vu que les images, elles bougent. Et elles font du bruit. Oui, elles font du bruit. Oui, elles font du bruit. Les tableaux, ils parlent bien. Oui, mais non, mais dans le journal. Oui, dans le journal, je crois que... Dans le prisonnier flash. D'Azkaban, il... Il gueule à travers les barreaux, Sirius. Je crois. Oui, mais c'est pour... C'est... Non, c'est pour dire que... Il y a que l'image. Enfin, c'est quand tu sors du cadre. Ouais. Mais sinon, il y a le flash dans le journal, dans la coupe de feu. D'accord. Oui. C'est Guillaume qui doit tuer, c'est ça? Oui. Ok. Ben, on lui laisse sa pyrolienne. Mais tu peux en tuer d'autres. Hein. Oui, mais pour l'instant, je vais se taper la pyrolienne. Moi, je vais tuer mon petit vélo, tranquille. Hein. Genre, bas de bois, pas pour une fouaise. En réveil. Je vais placer celui-là là. Et voilà. Ah putain. Allez, mais merde! Bon, moi, ça te file, la... ça te file la... la vision. On va dire ça. Voilà, il manque la pyro. Ouais, le sacrifice. Oui, ça n'a pas fonctionné. Ah, t'étais pas dans la zone. Je suis dégoûté. C'est pas grave, je mangerai du pain. Je passe mon tour. Ouais. Oui. Eh ben impec, un bon challenge de fée. Un peu d'XP. Nice. Ça fait on a du qu'un. Bien. On peut retourner voir Chourave. Ouais. Et là, je pense que en finissant la quête, il risque de passer niveau 100. Et ça, c'est fort en chocolat. Et non, parce qu'on finit pas encore la quête. Je suis très déçu. Non, quand même pas. Eh si, il faut... Oh là là, faut pas ramener... Pas en chocolat. Ah mais non, faut tout ramener. Putain, c'est bon, on l'a fait ça. Donner une partie du matériel. Patientez. Il est obsédé par la prestidigitation et nous sommes au mauvais terme suite à une embrouille stupide. Oh mon dieu, on va aller voir Florence Forestière. Florence Forestière, c'est très drôle ça. J'aime beaucoup. Allez, on retourne voir MC Dimote. De toute façon, tout le monde est parti, il n'y a que moi qui lisais. Ou alors je lis très très lentement. J'avais pas vu que dans l'espèce de camp là qu'ils avaient, il y a un tableau d'un squelette avec un chapeau rouge. Ben c'est Mario quoi.
Ah, j'ai pas fait gaffe. Il y avait un tableau avec un squelette et une casquette rouge, et au lieu d'un M, c'était une tête de mort. D'accord. Voilà. Et on marche. Je comprends pas, Végésus. Vegasus? Non, je sais pas. Ben, je vois pas le rapport en fait. Et alors, enfin, j'essaye de voir un mec qui existait, qui s'appelait à peu près Végésus, quoi. Le seul truc que je vois, c'est Vegeta, mais pas trop trop de rapport, quoi. Avec le personnage et tout ça. Ah, ok. Intéressant. Ah bon? Allez, on marche. Ah ben, y a le tableau en dessous de Végésus. Sur la map en dessous de Végésus, il y a le tableau avec ce que je vous ai dit. Voilà. On va aller voir le convoyeur malhonnête. Bon, qui a une blague? Moi. Ah! Chouette! Ça me plaît, ça. Elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite, bon. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Des dons sur Hello Asso, le chat, il n'y a personne qui regarde, mais c'est pas grave. Non, attends, juste, je regarde où il faut aller. Si, il y a Lure XX, il y a 10-1, il y a Commander Root et Billy Kears. Donc, il n'y a pas Commander personne. Commander Root. Bah, Commander Root, parfois il est là, parfois il n'est pas là, donc je sais pas si c'est un bot ou pas. Oui, c'est un bot. T'es sûr et certain? Parce que moi aussi, je l'ai. Oui, mais s'il faut, il t'aime toi aussi. Enfin, j'en sais rien. Non. Attendez, sur la map, là, il faut faire quoi? Tu vas dans le... Dans maison. La petite maison. Dans la maison. Ah, d'accord, c'était caché là. Bah, c'est une boucherie donc oui. C'est une boucherie. C'était caché, boucherie. J'aime bien expliquer les vannes. Oh, mais putain, mais faut redescendre à Babelwed les bains. Ouais. T'inquiète pas, après faut remonter. Bon, alors. Enfoiré. Du coup, je me demandais, oui, pour contrecarrer un petit peu cette crise du coronavirus et compagnie, c'est la blague. On a une deuxième vague qui est en train d'arriver assez méchamment. Je me demandais si pour l'esquiver, il fallait faire du surf. Ah ouais, quand même. Voilà. Ah ouais. Mais t'inquiète pas, il y a la vague verte. Je vois pas le rapport avec l'électroménager. Aïe aïe aïe. Mais ouais, parlons-en rapidement. Ça craint ce qui se passe à nouveau. Ouais, bon, ça craignait déjà avant, mais là maintenant à nouveau. En fait, c'est que le Covid il s'est un petit peu renforcé. Ouais, et qu'on a un début d'épidémie d'un nouveau virus qui est en train d'apparaître en Chine. Oui, non, mais ça, j'ai envie de dire, c'est du foutage de gueule, sans déconner. Ouais, y a que les Chinois qui trouvent des virus, c'est quand même bizarre, c'est pas eux qui les, c'est pas eux qui les lâchent dans la nature, ces abrutis. Genre, oh non, il y a encore une centrale qui a pété, désolé. Ils sont beaucoup plus laxistes sur les termes d'hygiène. Ils font chier. En fait, c'est pas leur faute, hein. Je sais bien que c'est pas leur faute, mais c'est pénible. Tu joues à un jeu dangereux. Ça fonctionne. D'accord, bon. Aïe, aïe, aïe. Oh, on va devenir un... Il faut prendre une caisse de costume. Oh putain, faut remonter, t'avais raison.
Mais ouais, même, c'est quoi à dire, même en Allemagne, je comprends pas quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi en Allemagne. Parce que c'est des clusters très localisés. Ouais. Des gens qui ont fait des conneries, genre des repas de famille à 150 personnes. Mais et... non, mais ça, faut le vouloir. Hein. Ouais. Nous, au boulot, il y en a qui commencent à tirer la gueule avec les masques. On leur dit, bah oui, mais pas le choix, quoi. Tu les vois, en plus, dans le jeu, fin, comme si on les voyait pas, ils le baissent. Tranquille, et puis dès que... Ah oui, non, mais oui, fin, c'est... En fait, si on leur... Nous, si on leur dit de garder le masque pendant l'heure, c'est aussi ben, pour éviter les postillons, en fait. Ouais, ben, ouais. Vu que toutes nos pièces sont nettoyées... toutes les bah chaque groupe c'est surtout pour limiter les postillons après bon ils disent oui mais ça fait chaud et tout ben oui mais moi aussi j'ai chaud après je peux comprendre que humainement parlant et en tant que joueur j'avoue ça me ferait un peu chier d'avoir un masque pour jouer c'est vrai. Je peux comprendre. Faut rentrer dans la maison. Dans la grotte, oui. Ok. La maison grotte. Dans la maison grotte. Une sidimote. Qu'est-ce que Miley Cyrus? Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est où, Choudini? Pourquoi je vois deux Berman? Parce que c'était des mecs déguisés. Ah. Fait Doberman. Doberman. Ah oui. C'est drôle. C'est drôle. Attends, mais pourquoi on recommence? Attends, pourquoi ça tourne? La 4, elle s'arrête pas? C'est une blague? Ah oui, d'accord. J'ai eu un bug, je crois. J'ai dû faire deux fois les dialogues. Oui. J'ai pas dû cibler le bon Berman ou j'en sais rien. Ouais, mais... il fallait prendre celui de droite. Ouais, c'est ça, hein, putain. J'ai dû refaire tout le tour. Voilà, mais faut partir à Astronombe. Ah non, Elminster, c'est forêt maléfique. Forêt des Abrachnides. Oh putain. Donc il faut prendre le Zap, Crackler, je sais pas quoi. La montagne des Crackler, je crois. C'est ça. Bon, on attend que tout le monde soit là. Et... montagne des Crackler. Ouais, Zap, montagne des Crackler quand vous avez terminé. Et il faut monter de 5 cases. Enfin, faut faire un petit détour, mais... faut à vol d'oiseau monter de 5 cases. Ouais. Sauf que au début, moi, enfin, ça allait, j'avais pas trop peur, mais là, qu'il y a des deuxièmes vagues de partout, je me dis, ouais, là, ça craint grave du cul, quoi. Franchement, en France, on gère. Hein. Ben, je sais pas, à Toulouse, il y a eu une vingtaine de nouveaux cas, Blagnac, ou je sais pas où, là. Oh. Cluster très localisé. Ouais, mais bon, ça fait suer, quoi. Ouais, mais après, quand tu te dis que t'as 20K sur une métropole qui a 2 millions de personnes... Franchement... Ouais, mais tu te dis un tel a vu un tel qui a vu un tel qui a vu un tel... Au final, ça peut aller vite, quoi, c'est ça qui me fait... Moi, je vois du monde au boulot, ça me fait chier, quoi. Même si je leur dis de se laver les mains et tout... Ça fait peur, hein. Faut dire quoi? Bah, devine. Faut poser des questions sur Florence. Florence. C'est Florence. Forestière. Tu crois qu'il demande l'autorisation d'utiliser des noms ou des. Bah, là, c'est de la parodie, il n'y a pas besoin. T'es sûr? Oui, oui, j'en suis sûr. D'accord. Non, non, non. De quoi, non, non, non? Non, ils ont pas besoin de demander, t'imagines le nombre de trucs hein. Ah bah tu sais, ça peut aller vite maintenant.
quand je vois ce qu'a fait Twitch là, enfin ou ce que va faire Twitch, ça va être le bordel. Hein. Bah, ils se mettent en conformité, ça me choque pas plus que ça. C'est oui, clair, mais... non mais ça oui, je suis d'accord. Hein. Attends, on va faire le donjon de l'araignée ? Non. Venez sur la map de droite. Sur la map de droite. Dommage parce que la musique était. Non. Pourquoi il s'est blessé ? Je sais pas, ça va être un bug. D'accord. C'est ton masque. Quand oui, vous parlez à l'homme. Après avoir parlé à l'homme de langue, vous allez en moins 13, moins 15. Putain, c'est là-bas. Enfin bref, en espérant que ça parte pas trop en couille cette histoire. Parce que là, ce qui est le plus dangereux, c'est que tout le monde va vouloir partir en vacances. Ils vont tous faire les débiles. Déjà que. Moi, ça me. Je pèse mes mots. Ça me trouve le cul de voir quand même le laxisme des gens dans les grandes surfaces. Je comprends pas. J'arrive pas à concevoir en fait que dans leur tête ça fasse pas tilt quoi. Genre j'ai vu ma boulangère du coin là. Je lui ai demandé comme ça, je lui ai dit c'est pas trop compliqué de toute la journée porter votre masque et tout. Elle fait mais moi si je le mets c'est pas pour vous, hein. C'est pour moi hein, parce que personne ne le met. Hein. Moi je l'avais sur le coup. Et c'est vrai que les deux qui étaient derrière moi, ils l'avaient pas et ils l'ont entendu, dirais. Tu crois qu'ils auraient sorti leur masque ou quoi que ce soit ? Que dalle. Ça rend des branques. Encore une fois, on voit bien l'égoïsme des gens. Il y en a quand même un au boulot qui m'a dit non mais moi je peux pas mettre un masque parce que je suis trop beau gosse, ça va m'enlaidir. Je te jure que c'est vrai, il m'a dit ça. Du troll ça. Non, c'était pas du troll, il était mais 100% dessus. Je te jure que c'est vrai. Il a fallu limite que je hausse le ton pour lui dire bon ben arrête quoi, merde. On a parlé à Folerance. Ouais. Oh! Ben, on retourne dans Chorave. Après, en majorité, ils l'ont tous hein, quand ils arrivent. Il y en a juste un, moi, qui l'avait pas. J'ai dû lui vendre. Ah, je vendre. Non, ben mais, ouais? Ouais, je suis obligé. Ça ne tiendrait qu'à moi. Je lui enfile un de ma réserve, c'est pas très grave. Mais bon, j'ai des directs, Steve. Puis d'un côté. Mieux vaut avoir des masques à vendre plutôt que de ne pas avoir de masque et devoir refuser l'entrée. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Après, enfin, ils abusent un peu parce qu'ils savent très bien dans quel état on est tous. Et c'est marqué 20 fois en plus qu'il faut le masque. Il a mis partout. Mais quand je te dis partout, c'est il a mis partout. Il y a encore des gens qui arrivent à dire « Ah mais non, mais moi j'en ai pas. » Enfin, faut pas trop abuser, quoi. Enfin, c'est quoi cette quête ? Elle est un peu longue, ouais. Ah ! Bravo ! Il est passé niveau 100. Tu as gagné un PA. Et tu vas pouvoir changer d'équipement. C'est ça ? Il veut... Les trophées, oui, mais les équipements, c'est plus tard. D'accord. T'as de l'argent, Jake, ou pas ? Je crois qu'il les avait achetés, je crois, ces trophées, non ? Non. Pas d'argent. Non ? Voilà. T'as pas vendu toutes tes ramablagues et tes clés ? Non, pas encore. C'est chaud à vendre les ramablagues. Hein. Mais c'est normal. Marac. Mais je me pose devant, juste devant l'almanach. Ouais, j'ai vu, ouais. J'arrive à voir à peu près à quelle heure on peut s'y mettre.
Ouais, c'est vrai que j'avais dit à lui, j'ai dit putain, mais il a du cul d'avoir eu un emplacement sur ces maps, quoi. Bah, cette semaine, j'ai quasiment pu le mettre vraiment tout le temps là-bas. Ouais, bien joué. Après, dès que tu utilises un emplacement et que tu te connectes juste pour faire ton almanach et que tu repars, ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui vienne. Après, les maps qui sont autour, elles sont pas mal non plus. Hein. Oui, ouais, mais elles sont pas exploitées, je pense. Soit je me mets juste au-dessus du zap des podcasts là. Soit je me mets vraiment juste devant la porte de l'almanach s'il y a de la place. Ah, c'est bien. C'est du commun. Tu sais que vers le bas, il y a des bonnes réduques en tout cas. Vous allez voir Magique. Oui, j'y suis moi. Ah, Darwin aime la bière 2. La bière de quoi? Merci pour ton follow. Hein? Putain, mais c'est pas vrai. Tout le monde fait la quête l'ermite? Eh ben oui. Ok. Oh, faut repartir à Chourave, mais c'est pas possible. Ça devient long là. Je crois qu'on fera pas le donjon aujourd'hui. Mais je pense pas qu'on aura le temps, ouais. C'est pas grave. J'essaierai de voir dans la semaine quand j'aurai un peu plus de disponibilité. On aurait pu faire au moins 5 quêtes d'alignement là. Vu que le patron il essaye d'équilibrer les heures entre mon collègue et moi, j'évite de donner des prénoms. On reparle des discours de ça parce que Draken s'absente pendant un mois. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? C'est des vacances? Oui, il part en vacances. C'est bien. Et du coup, il pourra absolument rien faire du tout. Et j'ai pas envie qu'on le surcharge trop après quand il va revenir non plus. Ah non, mais je suis d'accord. Ouais. Sachant que là, je vais le surcharger juste avant qu'il parte en vacances, pour avancer sur deux, trois trucs. Bah, faudra voir si l'autre version de Vegas passe sur mon PC. Parce qu'au final, je sais pas si on avait testé. Mais avant qu'il parte, j'aimerais bien qu'on finisse ses volants. Ouais. Ouais, bah... Au moins finir Evoland, vraiment. C'est au moins ça. En un stream, c'est fait, donc. Ouais, je sais bien, mais quand? C'est le problème. Ah oui, c'est le quand, mais. C'est le problème. C'est moi, je te dis, s'il essaie d'équilibrer les heures entre mon collègue et moi, et là en ce moment, c'est moi qui ai de l'avance. Donc là, cette semaine, j'ai fait à peu près du 40 heures. Enfin, à la fin du week-end, je serai à 40 heures. Je crois que j'ai une vingtaine d'heures d'avance, donc normalement il est censé faire bosser mon collègue. J'essaie de pas donner de nom. C'est pas évident. Mais ouais, enfin, il essaie d'équilibrer pour que ça soit pareil pour tous les deux. Qu'il n'y en ait pas un qui en ait fait trop pendant un mois, enfin. C'est un peu le boxon. Parce que demain. Et c'est parti. Donc samedi, demain, là dans quelques minutes, le clown arrive. Et je sais même pas si demain je suis en formation ou pas dessus. Parce que apparemment, on a pas mal de monde demain et ça c'est cool d'un côté. Après il y a 5 clowns, hein, ça c'est clair. Donc on verra. Je sais même pas comment je travaille demain. Enfin, je connais mes heures, mais je sais même pas quel piège je fais. On verra. Ouh. Et dimanche, pareil, je sais pas encore. Lundi, je suis pas là. Mardi, apparemment, je suis d'après-midi et soirée. Et pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Parce que ben avec le Covid tout ça, déjà qu'avant c'était pas évident de faire les emplois du temps, alors là ça l'est encore plus quoi. Mais ouais, j'espère que ça va, on va dire, revenir sur un train un peu plus normal et construit. Parce que j'ai quand même un malade à aider. On va pas dire malade, on va dire blessé. Parce que malade, ça fait moche.
Parce que tout le monde parlait à Georges Clooney. Ah, je viens d'arriver là. Et je viens de passer le dialogue parce que ça commence vraiment à me saouler. Allez, faut découvrir la carte convoi de Sorbet. C'est en moins 24-28. Moins 24. Et je suis tout de suite Brakmar, donc je pense prenez une potion ou prenez le zap. Ah oui, je cherche pas, oui. Brakmar de suite. Pourquoi Brakmar? Parce que c'est plus près, on doit aller en moins 24-28. Ah, 28, ok. Ouais. C'est la partie à l'opposé. Non, moins 24-28, c'est près de... du Tomise. Si tu te souviens. Le Tomise. Là, j'y suis pas retourné depuis un sacré moment. Déjà, avant Covid, j'y étais pas allé depuis... Pouf. Pareil. La dernière fois où j'y étais allé, c'était à Jouvou. Ouais. J'ai pas trouvé ça ouf en fait, ça m'avait déçu le Tomis. Ouais. C'est surtout que tu te rends de plus en plus compte avec le temps que waouh, c'est super, c'est tout du congelé. Ça craint. Parce qu'il n'y a pas que. T'as le bureau aussi à côté du. J'ai jamais fait le bureau. Eh ben franchement, ça c'est n'y va pas. Ma soeur elle aime bien. Moi je préfère le bureau à l'automise. Hein. Oui, alors à choisir entre les deux, je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop, parce que j'aime bien l'ambiance du Tomise, mais j'avoue ça demande un coup de rafraîchissement quand même. Attention, quand vous parlez au PNJ, ça lance un combat. Ah, donc on fait attention. Et on meurt. Aïe. Un combat se lance, il s'effectue seul. Ah, il s'effectue seul, bon ben go. Les attaquer par surprise. Adobe Photoshop. Oh non, caméra. C'est quoi cette map pourrie? Bon. Eh, ils ont chacun 1000 points de vie. Et moi, je suis mes vies. Quoi? Eh ben, parce que je viens de me faire éclater. Mais genre, quand je te dis éclater, c'est éclater. Oh la vache. Allez, je fais Blitzkrieg. Non, je déconne. C'est les gardes des Sorbets? Oui. Ouais, ben courage. Parce qu'au moins, ma map, elle m'a pas du tout donné l'avantage. À moi, totalement. Genre, j'étais au corps à corps avec les deux, j'ai kiffé. On a la même map. Ouais, on est au corps à corps. Ah oui! Moi, je me suis mis entre le Kra et l'Eka. Ben, et du coup, l'Eka flip, il a tapé le Kra. Ah putain. Allez, je retourne à droite. Oui, il est pas mort là! Merde, je suis con aujourd'hui. Est-ce qu'on est obligé de répondre à cette question? Ah ben les gars, t'appelles le point. Ah, je me suis fait atomiser, mais d'une force. Moi, je vais bientôt mourir. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. En fait, mes 11 PA, je sais maintenant comment il faut que je les utilise. Ils m'ont tué en 2 tours. Hein. Ah oui, mais moi aussi. Tu es en 3 tours. Mais je sais maintenant comment je peux faire. Il faut que j'invoque le tofu doré, je peux le faire vu que là ils sont deux. Oui, et même s'ils sont pas deux, je pense que je peux le faire. Bien. Ah bah non, je peux pas. S'ils sont pas deux. Lui, il a déjà terminé, je pense. Oui, non mais je sais. Oui. Bah en même temps, son personnage, il est tanky, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Moi, je suis loin d'être tanky. Guillaume, ça dépend. Et toi, tu peux l'être, hein, mais. Ça devient vite le bordel. Ça, c'est clair. Allez, je retente. En espérant que la map ait changé. Et nick. Je vais tenter ta technique. Ah non. Elle l'a pas fait. Attends, j'ai une idée. Run. Voilà, reste par là, toi. Non, mais c'est nul. Oui, pousse-moi. Vas-y, comme ça, on ne pourra pas me toucher l'autre. Non!
58 PV. Je vais survivre. Attends, il faut que je compte. Pff, ça rien. Et l'autre il va me toucher à Babelwed les mains, hein, cet enfoiré. Vous ne m'attraperez jamais. Putain, mais coup critique, j'ai perdu mon... Et what? J'ai gagné. Oh. J'ai vu. Ça pour avoir un cerveau de douzien ensorbé. Ah oh, putain, j'ai pris trop cher. Oh, faut retourner à... Putain. Ah non, à magique. Ouais, allez, je vais lancer le voyage maintenant. Moi, c'était pas possible. Hein. Pardon ? Il me tue vraiment, là encore en deux tours. Attends. J'arrive et je vais te dire comment. Enfin, pas comment jouer, mais. Je vais dire comment tu peux contrecarrer tout ça. T'es bientôt mort là ou. Je suis mort. Bon, bah, je t'attends. Et je vais essayer de te guider. 51 PV. C'est bon, je suis mort. T'as osé ? Bah oui. Tu peux pas te protéger ? Mais c'est ce que je fais. Et en un tour, il m'enlève 600... Mon oui, oui, bienvenue au club. Hein. On a tous pris pareil, sauf ton frère. Ton frère, ils ont dit, s'il vous plaît, aidez-nous. Ils ont même abandonné pour qu'il gagne plus vite. Je finis avec 300 PV. Hein. Ouais. C'est juste dès le début, je me suis mis entre l'Eka et le Kra. Du coup, l'Eka, il a tapé le Kra en me tapant. Ouais, mais moi, ça n'a pas fonctionné. Je suis assez déçu. Ouais, ça marche pas. Oh, je vais attendre Guillaume et je vais le guider. Je pense que tu peux faire des choses pas trop mal. Prête-lui des trophées, peut-être, non ? Oui, je peux peut-être faire... Ouais, mais non, il a des bonus de panneau, lui. Non. Il a pas de bonus de panneau, Guillaume. T'es sérieux ? Ouais, non, c'est bon, tu peux lui prêter tes trophées. Ah bon ? Ok, attends. Et Jack, tu peux même mettre le Dofus argenté, ça peut peut-être te servir. Ah, c'est vrai qu'il peut t'aider sur ce combat. Attends, on va voir ça. On va attendre. Excusez-moi. On va attendre qu'il arrive. Et on va voir comment on peut gérer ça. Alors. Alors, je pense que ce que tu vas faire, en fait, Guillaume, c'est dès le premier tour, il va falloir que tu fasses ton chaton, que tu lances le sort trèfle, et que tu vois en fonction de comment ils sont placés, si tu peux taper les deux en même temps avec ta griffe. Si tu peux pas faire ça, tu feras des félinctions pour te soigner. Mais je vais t'aider. Il y a la contre-coup aussi qui donne des points de bouclier. Ouais. S'il reste des PV, des PA, on pourra faire ça. Parce qu'attends, je compte. Le chaton, c'est 3 PA. Trèfle, c'est 1. Donc on est déjà à 4. Oui, on peut. Ça passe, t'as 10 PA ? Ouais. Oui, ça passe. Oui, mais donne-lui un trophée, il sera à 11. Et il en a pas besoin de 11. Quoique. Comme tu veux. Non, je pense qu'avec 10, ça peut passer. Bon, tu me dis quand tu lances et je rejoins. Et je te dis quoi faire. Je lance. Ok. Alors, j'observe. Je suis là. Alors déjà, mets-toi à côté de l'Eka Flip. Entre le Kra et elle. Voilà.
Ensuite, bon, bah, tu peux valider. Elle va t'attaquer, l'autre derrière va ramasser. Même si c'est... Voilà. Alors, toi, tu fais, comme je t'ai dit, tu mets le chaton quelque part. T'en fous. Tu as fait ton sort trèfle. Tu tapes sur... tu peux faire fellation sur le cra ou pas du tout? Non. Ah, oh, putain. Bah, fais une griffe joueuse sur les K-flips, tant pis. Et s'il te reste 2 PA, il te faut faire contre-coup. Voilà. Déjà, t'es tranquille pendant un tour. Parce que si ils sont cons, ils tapent sur le chaton. Ouais, ils sont un peu cons, mais pas assez, apparemment. Oh non, mais c'est incroyable. Bon, tu as en un tour. Ouais, j'ai vu. En un tour? Non, deux. Ouais, je sais pas comment il peut faire. Peut-être changer les positions de départ. Ouais, parce que... On parle de la portée de ce... de cet oh. écart. Ouais, c'est pas normal, on est d'accord. On est d'accord. Merde. Oh, le griffon. Il y a un mec avec le griffon qui est là. Il est à côté de nous. Non, non, joli. C'est quoi cette portée? C'est quoi ouais, c'est... Pas trop, c'est pas ta mère. Ouais, c'est vrai que les pantalons sont chelous. Attends, voyons comment on s'en sort. Qu'est-ce qu'il fait, toi? J'ai essayé de le truc. Distance. Sauf que ça rien du tout. Mais en fait, elle peut te taper à travers les murs. En fait, t'aurais reculé de 1, je pense que ça passait, mais je suis pas sûr. Oh la vache. Après, lui, il s'est barré, tu peux rester derrière un... Ouais, si t'es assez loin du cra, il te tapera pas. Ouais. Mais bien sûr que si, il me tape. Mais non, pas derrière le mur. Si tu te remets derrière le mur... Elle va te taper, oui, mais lui, non. Ah, 22. De quoi? Pour du coup. Pourquoi tu lui as fait que 22 avec appui? Mais je sais pas, tous mes trucs sont diminués. Ouais, je comprends pas. C'est le crack qui peut enlever des stats? Attends, je réfléchis comment on peut... Ouais, image d'Hiro, moins 75 de dommages. Attends. T'as quoi, là, comme Dofus et trophée, Guillaume, d'équipé? Trophée, c'est les trucs en bas, là? Ouais. Joueur mineur, observateur, miraculé mineur, vigoureux mineur, chanceux ouais, mineur, puissant mineur. Allez, je vais te passer le miraculé, l'observateur, le remueur et le vigoureux, mais le reste... Bah après, tu mets un Dofus, ouais, faut mettre le Dofus argenté. Merci Saucefire qui suit Yvassan Studio, miaou. Ouais, en effet, merci. Fireux. Ouais, firé. Alors, déjà tu vas mettre ces 4 là. Je mets ces 4 là. Ouais, tu mets ces 4 là dans les trophées. Tu mets... Peu importe le remplacement. Oui, peu importe le remplacement, il faut qu'il y ait ces 4 que je viens de te filer. Le Dofus d'argent. Je vais te passer mon nomade. Attends. Ça, le problème, c'est que Nomade, s'il peut pas bouger, ça sert à rien, quoi. Tu m'as donné un observateur? Non, je t'ai filé une longue vue. Oh. Oui, c'est l'observateur. Ah oui, pardon. Je confonds avec l'examinateur. Il l'avait déjà, je crois. Il l'avait déjà, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave, tu me le rendras tout à l'heure. Donc ouais, tu mets les 4 là, tu mets ton Dofus argenté, et en dernier, ben... Ouais, file-lui le... Le nomade. Mais on peut changer les positions de départ. Oui, on va pas le mettre au corps à corps, oui. Parce qu'au corps à corps, s'il se fait complètement éclater, ça sert à rien. Mais... Viens avec moi, Jake. Attends. Allez,
What? Oui. Valide. Ok. Je vais regarder Majiro, la fessée qui se prend. Mais en fait, je me suis mis derrière le cra. Oui. Leka a fait griffe spectrale. Oui. Et j'ai rien pris. Mais c'est normal, elle peut viser derrière. Oui, elle a pas besoin de ligne de vue en fait. Voilà. Oh. Je veux pas. Oui, vas-y, tu l'as. Et voilà, tu vois, il peut me tirer. Oh, en fait, t'as vu, t'as fait 89 au lieu de 12 000. Ah, tu peux peut-être la tuer, elle. Et après, c'est comment tu vas récupérer l'autre. Ah. Incroyable. Alors, c'est quoi les positions de départ? Ah, c'est peut-être un peu mieux. Ah, il a pas besoin de ligne de vue avec ça. Ça fait quoi exactement? J'ai pas compris. On a changé les positions de départ. Tu vois, sur au-dessus de la minimap, t'as 4 icônes. Et quand tu maintiens l'icône de qui est tout à gauche pour afficher les positions de déplacement de combat. Deux tours, c'est tout. Tu vois? Non. Au-dessus de ta minimap. Oui. Tu as quatre icônes vertes. Oui. Celle tout à gauche. Ouais. Afficher les positions de déplacement de combat, c'est ça? Oui. Donc quand tu cliques dessus, quand tu appuies, tu vois les positions. Et quand tu fais un combat sur une map, ça change les positions de départ. D'accord, ok. Attends, tu peux aller à son corps à corps là. Courage. Eric qui a lancé le combat. Merde. Là, il va me buter. Hein. Comment je fais pour quitter. Ok, quitter le spectateur. Ouais, ouais. J'arrive, j'arrive. Tu l'as lancé ou tu t'attends? Oui, oui. Je vous attends, mais... Ok, Le problème, ça va être la portée du cra après, quoi. Mets-toi devant les cas flip, tant pis. Pas devant... Bah, après, sinon, Guillaume n'aura pas assez de portée pour taper le cra, donc c'est le problème. Par contre, tu peux le faire chier en mettant le chat devant lui. Ouais, non, mais... Non, j'ai fait une connerie, je pense. Bon, ben, refais le chaton quelque part. Le trèfle. Une griffe joueuse ou... ouais, une griffe joueuse sur elle. Sur la casse-couille. Déca flip. Et tu fais contre... Et nique-toi, le chauffeur. Ah, t'es tant désespéré que ça. Et fais contre-coup. Voilà. Bon, ben, c'est la fin du live, hein. Attends, c'est pas encore fini. Ah! Ah, il tape le chat. Yes! Elle a dépensé des pleurs. Ok. Par contre, ce qui fait chier, c'est qu'elle est toujours à ton corps à corps. Fait DB, il fait l'insulte. Ouais, je pense que tu peux faire. Ah, attends, ils peuvent même faire une griffe jouée sur les deux. Ah oui. Fais libération. Oui. Tu fais griffe joueuse sur les deux. Encore? Non, on fait félation sur les caflips. Il te faut que tu reprennes de la vie et essaie de courir un peu parce qu'elle va te mettre très cher. Normalement, il risque de tuer le chaton donc. Ouais, mais elle va venir, elle va te tuer, je pense. Ah putain. Ouais, c'est difficile là. Parce que même avec les trophées, le pauvre, il n'y arrive pas. T'as raison que c'est des quêtes niveau 90, hein. Putain, c'est clair. Quoi? C'est quoi ce bordel? Mmh.
C'est quel sort que... Mes perceptions, ça te soigne pas en fonction de ce que t'as autour de toi? Je sais plus, putain. Si, je crois que c'est ça soigne en fonction. Mais je sais pas s'il faut avoir l'état vénard ou pas. Il existe encore cet état? Ben oui, avec trèfle. Ah. Attends, je vais regarder les sorts de l'Ecaflip. Alors, c'est quoi ça corollaire? Ah, c'est là. Oui, bon, bref. Après, chance d'Ecaflip, c'est de la merde. Faut le dire. Ah, c'est pour ça. Il n'y a pas Ah écrit putain, étoile. on a oublié tout ou rien aussi comme sort, mais ça peut les soigner. C'est le problème. Il est où? Rugissement? Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre que je veux. Il est où? Mais il est où ce putain de sort? Quel? Perception. Ah, il est là. La cible est soignée de 5% de sa vie par ennemi à proximité, détecte les ennemis invisibles. Non, ça sert à rien. 10%, ça te fait minimum 100 PV, c'est pas assez. Alors que Félancion, par contre, ça... Ouais, le problème, c'est la portée de l'autre conne. Faut rester loin, essayer d'en isoler un. Ouais, mais le problème, c'est le cra après, parce que lui, il va se barrer. C'est que c'est pas grave, ça te laissera un tour pour te régénérer ou faire quelque chose. Mais il peut pas se régénérer, c'est le problème. La seule façon qu'il a de se régénérer, c'est... Ce serait qu'il ait... Comment ça s'appelle? Mistigri ou Aubaine. Et encore Aubaine, ça serait la merde. Et la caresse invocatrice, mais bon, c'est niveau 125 quoi. C'est au lieu d'invoquer un chat qui tape, il a un chat qui heal, mais bon. Comment il pourrait se heal? Mais il peut pas. Fait l'incendie sur la cahuète, ça fait rien. Non, ça soigne la carotte. Parce que c'est considéré comme une alliée. Et non, en fait, ça repousse juste pour les alliés. Mais s'il se met derrière la cahuète, il pourra se protéger du crâne déjà. Non, il a un sort. Ouais, enfin, il fait moins mal, mais il a un sort. Sa ligne de vue, une espèce de flèche harcelante. Tu vois? Ouais. Je sais pas comment te faire ça. Pareil, Thomas, il est en PLS depuis tout à l'heure. Je suis parti sur Twitter là. T'as abandonné, ça y est. Ah ben je suis mort 4 fois, j'ai perdu le tiers de De mon ton énergie. énergie. En plus Bon. que le tiers. Ouais, je vous rends vos machins là. Non, on va tenter une dernière fois. Mais je réfléchis à comment faire ton premier tour en fait. Passe-feu, c'est des sorts à plus Non. longue portée. Attends, parce que là, la disposition. Ah, mais t'as validé ta position et tout. Ben là, tu peux. Elle, tu peux la. Faire une fellation. Ouais. Tu peux faire trèfle et fellation. Bon, tant pis.
Ne fais pas un contre-coup maintenant. Essaye de t'échapper. Et fais... merde, roue de la fortune. Ah. Tant pis. Et encore, j'ai pris un... bouffe-gomme qui me donne 30 en puissance. Ah oui, cool. Là, tu peux pareil, tu peux juste sortir de derrière ta carotte, lui mettre une... Attends, roue de la fortune. D'abord. Trèfle. Et félation. Je sais pas si trèfle ça fonctionne sur félation ou pas. Ça fonctionne. Et tu te replaces. Derrière ta carotte. Non, Bah si. Et tu peux faire ça. Parce qu'elle va te toucher les gars. Ouais. Bah tu peux tuer les gaflib là déjà. Ouais, déjà fais-lui une fellation dessus, ça la tue. Oh, putain, bien joué. Voilà. Rapproche-toi de du cra très vite. Voilà. Rapproche-toi du cra. Monte vers lui. Fellation. Et fais-lui une fellation. Ouais. Monte vers lui, fais-lui une fellation et tu peux faire un contre-coup maintenant si tu veux. Mais il faut que tu te rapproches de lui parce qu'il va s'échapper. Voilà. Ah, tant pis, va falloir que tu cours dessus. Je sais pas si tu peux le toucher d'ici avec quelque chose. Non, rien du tout. Fais des bonds du félin alors, pour te rapprocher. Si tu peux en faire deux, je pense. Ouais. Et c'est vraiment de te rapprocher, de le toucher au maximum. Ouais. Ah, ça peut passer là. Parce qu'il est dans un coin. Putain, ça lag. En plus, il y a ton araignée, elle lui fait vachement peur. C'est bon, t'as gagné. Rapproche-toi de lui et défonce-le. Mais alors, défonce-le maintenant. Si tu l'éclates. Ah, t'aurais pas dû faire la fellation d'abord, t'aurais dû te rapprocher pour faire un bluff, puis fellation, puis là. Ouais, où ça? Vas-y l'araignée! Vas-y l'araignée! Ouais. C'est l'araignée! Ah, bravo! Ah, franchement, bravo! Je suis content d'avoir ça sur le stream, je le mettrai. Ça sera le combat de la mort qui tue, on va l'appeler comme ça, un truc du genre. Bon, c'est là-dessus, par contre, qu'on va se quitter. On vous dit à bientôt. On sait pas trop quand. Pour la suite de nos aventures, que ça soit sur Evoland, que ça soit sur Dofus. Merde, j'ai fait ignorer, désolé. Excuse-moi. Et donc, voilà. On se dit à tantôt. Suivez-nous sur... Facebook, Twitter, Instagram, Discord pour avoir de nos nouvelles le plus vite possible. Et puis voilà. Pardon ? J'ai oublié un truc. T'as oublié j'ai oublié d'enlever les items en fait. Et YouTube. Et YouTube, pardon, oui. Et sur ce, passez une bonne soirée. Bisous. Bonsoir. Au revoir.